devoir de maths? On t'a dit que j'irais te le porter dans ta boîte à mal. Tu t'es vaincu, c'est ça? J'ai juste pas eu le temps de le faire, c'est tout. Pourquoi tu le dis pas que t'es pas bon en maths? Non, je rirais pas, je suis poche moi-même. Hey, si je voulais, là, je te le ferais en 3 secondes. Ah ouais? Ouais. Des preuves? Celle-là, là? Exactement. Will Hunting. Qui? Matt Damon dans le film Le destin de Will Hunting. C'est une super balle. Ah. Moi, je pensais que tu parlais du gars qui traîne dans le coin depuis une couple de jours, moi. Ah. Ce vieux Théo? Je sais pas c'est quoi son nom, mais... Il est pas bien beau, hein? Il est super cute. Puis en plus, il sait quoi faire avec une fille. Ben, il doit être pas mal déniaisé pour un gars de 6e année, hein? Il est supposé être en secondaire 3, puis a été renvoyé de son collège privé. Hey, c'est pas drôle, être riche, hein? Serais-tu jaloux, par hasard? Non, pas partout. J'ai pas envie d'être riche en vie, mais... Te rappelles-tu ce que je t'ai dit au party de ma grand-mère? Non. Ah, ouais, ouais, ouais. Tes menaces de venir me hanter, hein? Ben, tu peux considérer que c'est déjà fait. Non, pas ça. L'autre chose. La Californie, par exemple. Là-bas, tout ce qui est québécois a la cote. Les Californiens nous perçoivent comme un territoire. Qu'est-ce que tu veux, Edith? Hein? Ta grosse business. Ton petit homme d'affaires ambitieux qui te lèche les bottines. Pas encore content, Teddy? Excusez-moi de vous déranger, mais vous avez déjà dépassé l'heure de votre marche quotidienne. Je vais revenir une autre fois. Je t'avoue que j'ai la tête un peu ailleurs de ce temps-ci. Excuse-moi. Elle est encore en réadaptation. Oh oui, je sais. On a bientôt terminé, Rachel. Je vais attendre encore un peu au prix où je la paye. Mais de toute façon, il faut que j'aille à Montréal. On n'a pas encore conclu le choix de l'assistant d'Antonin. Oh, inquiétez-vous pas avec ça, c'est déjà réglé. C'est André? Le contremaître? Non, il n'était pas assez qualifié. J'ai engagé un fromager qui a aussi une formation en gestion de personnel. Marie-Ève m'a dit que Antonin voulait André. C'était pas un ami qu'on lui cherchait, c'était un bras droit. Donc, Marie-Ève n'est pas au courant? Non, mais j'ai pas à la consulter non plus. Non. Simplement, je pensais que c'était réglé avec notre contremaître. Fiez-vous sur moi, ça aurait pas marché. Je vous rappelle demain, OK? C'est bon. C'est bien rushant quand tu t'oses de même. Oui. Mais dans mon cas, c'est plutôt normal. Mes poumons ont 85 ans. Tu vois, ce serait pas du détournement mineur. Oui, Chris, ton père vient juste de me réengager, là. Mais il saurait pas, je te le jure. Non, non, c'est correct. Mais t'as pas l'air de te rendre compte que je vais mourir d'égo. Dis pas ça, là. J'ai vu une fille à TV. Elle avait la fibrose, elle a eu une greffe de poumon, puis elle a même eu un bébé. Oui, mais la liste d'attente est tellement longue, Diego, que la plupart des malades ont le temps de mourir avant. Ça, c'est sans compter ceux qui meurent sur la table d'opération. Tu sais, je peux me résigner à mourir. Mais juste si j'ai fait l'amour avant.